Salut à tous, c'est Itachi et aujourd'hui on se retrouve pour la 11e vidéo du let's play de Zelda Four Swords Adventures. Alors dans la vidéo précédente, on était arrivé au niveau 6, le désert du doute, et j'ai fait les deux premiers niveaux. La première zone qui s'appelle le désert du doute, très originale, et la deuxième qui était le temple du désert. Et donc on est a priori sur les traces de celui qui pourrait être Ganondorf. On a parlé un petit peu aux autochtones qui nous ont dit en gros qu'il y avait un mec qui était en partance pour la pyramide. Et donc justement la pyramide, ça va être l'objet du prochain niveau de cette vidéo. Enfin de ce let's play déjà. On va avoir droit donc à une espèce de donjon. Alors si ça suit les donjons que j'ai fait ces derniers temps, ça risque d'être à la fois assez relevé et assez long. Alors, faut que je me mette en ligne à mon avis. Et on tire. Attendez, je galère un peu. Voilà. Tchac. Et encore ces foutu momie, alors je vais les attaquer comme ça. Non, c'est peut-être mieux de les attaquer comme ça avec deux lignes, comme ça fait bien des dégâts, c'est nickel. Allez, je vais continuer à flinguer tous les pots aussi, hein. Faut pas en oublier, on sait jamais, il peut y avoir des choses intéressantes. Hop. Je sais pas pourquoi il y en a un deuxième là. Ah d'accord, c'est ça fait tomber des ennemis. Ah non. Voilà, j'ai réussi à m'en débarrasser. Wow, ça fait plaisir. Quelques petites gemmes de force. Voilà, ici on ouvre le passage. Pour l'instant, on enchaîne des. Ah. On enchaîne des petites salles. Ah non! Oh, c'est pas vrai. Hop. Alors, comment je fais, moi? Ah, il y a un interrupteur. Voilà. C'est mieux. Ah, mais casse-toi, foutu. Il doit y avoir un interrupteur aussi. Et voilà, c'est fait. On va pouvoir sortir d'ici. Ah, tu m'as bien eu, toi, espèce de fumier. Là. Ah non, c'est pas ce que je voulais faire. Alors faut que je fasse attention. Parce qu'au milieu, il y a le trou. Allez, on va essayer d'ouvrir ça. Hop. Ah bah tiens, j'ai une clé. Je sais pas encore à quoi elle va me servir. Je vais la laisser ici pour l'instant. Ah non! Bon d'accord. Bon bah, on va se casser. Je vais en profiter pour essayer d'aller chercher le coffre qui est là. Voilà. Yeah! Ah non! Hop. Pour l'instant, il y a pas mal de pièges ici. Allez, on va pouvoir passer à la salle suivante. Mais c'est marrant, c'est toujours des toutes petites salles comme ça. Et encore une bombe. D'accord, donc il va falloir visiblement que j'altère. Ah non! Elle vient là! Va falloir que je fasse attention, à mon avis, il va m'envoyer des bombes tout le temps, voilà, c'est ça, il est en train d'envoyer encore une autre bombe. Bon, je vais essayer de sortir quand même. Faut que je casse les pots et que j'active un petit interrupteur. Alors, par contre, là, justement, à mon avis, ça va m'envoyer... Enfin, m'amener à des endroits différents à chaque fois. Là, par exemple, je vais peut-être apparaître en bas à droite. Voilà, c'est ça. Mais il y avait un autre passage, éventuellement. Voilà, parce qu'ici, il n'y a rien, donc c'est une espèce de cul-de-sac. Il va falloir que je repasse de l'autre côté, en fait. Hop. Tchac. Alors là, juste sur la droite, il va y avoir un coffre. J'espère que je vais pouvoir sortir là-bas. Voilà, c'était pareil. C'est par ici, à mon avis, pour aller jusqu'au coffre. Ah, nickel. En plus, il y a un réceptacle de cœur. Ça se refuse pas.
Là, je vais arriver en haut à droite, je suppose. 150, c'est nickel. Je suis déjà à 1000 gemmes de force. Tiens. Alors. Ouais. Comment vous voulez que... Tu vas faire ça peut-être? En mode équilibriste. Je peux faire ça aussi. Je sais pas trop à quoi ça sert, mais bon, c'est pas grave. On va sortir de toute façon. Ah d'accord, il va falloir que je tire tous les trucs là. Bon, vivement, c'est pas ça. Il va falloir que je les fasse un par un parce que j'ai pas envie de claquer. Ce serait un petit peu ballot. Alors, on va essayer de prendre le premier. Pas ça. Non. Pas ça. Pas ça. Ah, c'était celle-là, je vais activer ça, on sait jamais. Allez, on se casse. Piou. Oh non. Bande de cheaters, va. Ah, ils m'ont intercepté. Alors par là, il y a peut-être un passage sur la droite. Visiblement, il va falloir que je chope une lanterne pour allumer ces trucs-là. Allez, on va se mettre en formation d'attaque. Ah, vas-y, quoi. Ah, mais cheater. Ça, c'est l'ennemi qui envoie même pas une attaque et qui nous fait des dégâts, quoi. T'es sérieux? Ah, ça, c'est un truc à pousser. D'accord. Bon, on va rentrer ici, hein, je vais pas encore... Ah, ça, j'aime bien ça. Quand il y a du monde comme ça. En plus, ce qui est marrant, c'est que quand on en tape un, ça fait des dégâts aux autres, on dirait. C'est un peu space. Et... Il en reste un. Allez! As-tu crevé? Et on récupère le lance-pierre. Alors, qu'est-ce qui va nous servir pour l'instant? J'ai rien vu qui nécessitait le lance-pierre, mais on va voir. On va peut-être passer là-haut. Déjà, ça va certainement m'aider à me débarrasser un peu plus facilement des ennemis. Ouais, en fait, faut que je charge pour lui faire des dégâts, sinon ça fait juste que le stunt. Waouh, regardez ici, il y a des failles de partout là, sur le mur. Il va nous falloir des bombasses. Ah, et ici on voit que... Pardon. On voit qu'il va y avoir un portail. Ouais, bah tiens, je vais passer par ici. Ah. Oh, mais ces pièges, ils me rendent... Ah non, mais vas-y, quoi. Ces pièges, ils me rendent complètement dingue, quoi. Ah, c'est pas facile. Non. Ah, là, j'ai flingué. C'est foutu, chauve-souris. Ah, il va falloir que je me la joue équilibriste, là. Waouh. Tchac. Et là, il y a une madame. Enfin, je crois que c'est une madame. Hein. Je suis désolé si c'est un monsieur. Alors, qu'est-ce que ça m'agace? Le sol est plein de trous. Je ne peux pas me déplacer. J'aimerais voler comme Pégase. Si seulement j'avais les fameuses bottes. Eh ouais, ça c'est vrai que ce serait assez cool. Ah bordel! Bon bah vous voyez, à chaque fois ça va me faire ça. Ah là là! C'est pas facile parce que... En fait, notre roulade elle nous emmène un peu plus loin. Voilà. Alors je sais pas s'il faut que j'essaie de retenir le... Ah non, d'accord, en fait, ouais, bon, c'est moi qui suis con. Je pensais, en fait, qu'on pouvait quand même passer en devinant l'endroit des... l'emplacement des plateformes. Mais à mon avis, il va vraiment falloir les bottes de Pégase pour pouvoir passer. C'est pas grave, on reviendra plus tard. Alors, j'aimerais bien récupérer un cœur, voilà, c'est fait. Hop, ici, il va nous falloir une quille. Allez, foutu momie. Oh là, il va falloir des lanternes vraiment partout. Mais du coup, je sais pas trop à quoi me sert. Ah, il y a un truc à pousser, j'avais pas fait attention. Voilà, qui me permet de rentrer ici. C'est peut-être ici que je vais récupérer. Peut-être ici que je vais récupérer une lanterne. Allez, vas-tu crever? Ah bah tiens, ça m'a ouvert une porte. Alors. Hop,
j'ai ouvert ici. Alors je vais, visiblement il y a des petits interrupteurs. Ah non, enfin non, d'accord, celui-là a ouvert en fait les deux portes. Je croyais qu'il y avait deux interrupteurs. Et je vais peut-être utiliser. Allez. Mort de rire. D'accord. Bon, donc peut-être en formation comme ça, ça va peut-être marcher. Ok. Bon, il y a eu la petite musique, mais ça fait quoi? Ah, s'il y a une clé ici. D'accord. On ne voyait pas sur l'écran. Alors, du coup, je vais pouvoir aller ouvrir la porte qu'il y avait sur la droite, si je dis pas de bêtises. C'était juste l'écran d'en dessous. C'est ici. Hop. Voilà, il fait noir ici. Ah, c'est bon. C'est mieux. Hop, on va se mettre. Allez, on va se mettre en formation. Non ! Qu'est-ce qui se passe ? Ça fait flipper. Ah, d'accord, c'est juste des momies. Bon, c'est pas grave. Ah non ! Ah, ils sont passés dans l'autre monde. Dans le monde des ombres. Ah d'accord, il va falloir que je revienne avec la perle de lune. Vas-tu crever ? Et voilà. Bon, alors donc ouais, ah, ici on voit des petites étoiles. Du coup il est ici le portail. Il va falloir que j'aille flinguer tous ces squelettes. Allez, en formation. Ah d'accord, la lanterne elle est ici en plus. Waouh! Vite, faut que je la prenne. Vite! J'aimerais bien récupérer des gemmes là. Si je pouvais passer déjà à 2000, ça pourrait être sympa. Ah, vite! Là, par exemple, il y en a une 200. Hop, hop, hop. Vite, 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 vite. C'est bon, j'ai récupéré quand même un max. Et du coup maintenant j'ai la lanterne, je vais pouvoir allumer vraiment partout parce qu'il y avait plein de flambeaux à allumer. Alors ici c'est allumé. Par contre il y en avait un ici par exemple, enfin deux même. Oh. Si c'est juste... Eh voilà, je passe déjà à 2000, ça a été quand même assez rapide. Elle peut repousser le mal. Et voilà. Hop. L'appareil, il y en avait partout. Et ça va m'ouvrir quand même pas mal de passages. Ah bah tiens, les bottes de Pégase, elles sont ici. Par contre, je vais quand même garder ma lanterne pour l'instant. Je vais revenir un peu plus tard. Parce qu'il y avait quand même plusieurs endroits qui me demandaient d'allumer, si je dis pas de bêtises. Hein. À moins que je dise n'importe quoi. Bon, au final, j'ai l'impression que je disais n'importe quoi. En fait, j'ai tout allumé déjà. Bon, je pensais qu'il y en avait un peu plus que ça, mais c'est pas grave. Donc on va choper les bottes de Pégase et on va pouvoir aller sur la droite. Puisqu'il y avait un endroit où j'arrivais pas à passer. Puisqu'il y avait des pièges, des trappes qui m'empêchaient de progresser et d'atteindre notamment un ou deux coffres, je sais plus. Et c'était ici je crois. Voilà, c'est ici. Et hop, regarde. Wouh ! Et voilà. Voilà, il y avait deux coffres et il y a même un... Ah bah tiens, il y a même une perle de lune qui est cachée dans un coffre. Je crois que j'ai jamais vu ça. Enfin, quoique. Qu'est-ce que je raconte? Hop, et là où il y a aussi un truc à tirer. C'est peut-être pour sortir directement, puisque effectivement, je crois pas qu'on puisse courir avec la perle de lune. Ouais, puisque forcément, quand on appuie sur le A, on la jette. Enfin, on la pose. Et donc, je vais pouvoir ouvrir ici. Ouvrir un portail vers le monde des ombres. Ouais, attends. Ouais, mais du coup, ouais. Mais enfin, c'est... Attends, c'est quoi le délire là? Qu'est-ce que je suis censé faire moi? Parce qu'en fait. Ah, regardez, ça bug! En fait, je suis pas censé pouvoir traverser les trous non plus. Puisque j'ai pas encore le pouvoir, enfin j'ai pas les bottes de niveau 2 en fait. Du coup,
Je peux faire des trous éventuellement. Non. Je pensais pouvoir faire un trou dans le mur avec cette course. Alors ici y a quoi? Bah ici y a rien de spécial sauf ici y a une porte là, mais je sais pas trop comment l'ouvrir. Et là-dedans, il n'y avait rien de spécial non plus. Non. Ça a pas l'air. Hop, on va tracer. De ce côté, qu'est-ce qu'il y avait? Ah, d'accord, bah regardez. Il y a peut-être quelque chose à faire ici, là. Ah, je savais bien qu'il y avait plus de flambeaux. Il est pas fou, le Itachi, non? Donc, on va récupérer ça et on va aller ouvrir... A priori, la porte avec les flambeaux qu'il y a dans la salle. Hop. Et voilà. Ça va peut-être nous aider. Ah ben regardez, c'est la fée. Permets-moi de t'aider dans ton périple. Donc du coup... Tout ce que je puis faire, c'est balayer à la fatigue d'un revers de main. Ouais, mais du coup, à l'époque... Elle est peut-être censée pouvoir améliorer une arme. Attendez, je vais essayer de lui filer ça. Peut-être qu'elle va me l'améliorer. Parce qu'en fait, j'en aurais bien besoin. Ah, voilà, nickel. Donc, vous voyez, en fait, elle peut m'améliorer donc les armes. Bon, pour le lance-pierre, en fait, je m'en fous un petit peu. Même si, finalement, et c'est plutôt cool, le lance-pierre, le super lance-pierre. Ça envoie dans trois directions. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt les bottes de Pégase en niveau 2. Donc on va aller là, hop. Hop, je peux glisser le long des murs comme ça quand ils sont en diagonale. Allez, vas-y. Astique mes bottes. Voilà, ça c'est fait. Et du coup, je vais pouvoir passer en fait au-dessus des trous cette fois-ci. Je glisse le long des murs. Hop, et donc c'est ici. Alors, je sais pas trop où je vais aller. Bon, on va aller tout droit. Ça se tente. Alors ici. Non, non, non. Faut peut-être aller par là. Ah mais non, bah ouais. Forcément, si je vais sur le portail. Alors du coup, je vais aller directement vers le... Ah bah, par contre ici, il n'y a rien. Bon. Donc on va continuer par là. Je sais pas trop par où je vais devoir passer. Hop. Alors. Ok, bon, je viens de piger où je dois passer. Je dois passer, à mon avis, ici, là. Vers le bas. Hop. Là, je vais pouvoir activer ça. Ça m'ouvre la porte ici. Bon, par contre... Il n'y avait pas un coffre quelque part là? Si, ah ouais, ah d'accord. Il y a un coffre ici. Je peux l'aller chercher ici, comme ça. Hop. Bon, c'est juste des gemmes de force. Mais on sait jamais, ça aurait pu être un joli bracelet bleu. Ou un réceptacle de cœur. Et là, je vais pouvoir apparaître en plein milieu de cette grande salle là, qui est absolument démesurée. Ah non! Ah non, il fait chier lui avec ça. Tiens! Ah, quand je l'ai flingué, je lui ai couru dessus comme un porc. Alors, pour l'instant, c'est que des gemmes. Ah, cool, c'est des bombes. Bon, bah tiens, ça a remplacé mes bottes qui ont été carrément foutues par terre. Non, bah, je fous des bombes partout. Une grande clé, elle permet d'ouvrir. Ah, les coffres trésors, d'accord. Attendez, on va la caler ici. Bracelet bleu. Oh là là, mais c'est la caverne d'Ali Baba ici ou quoi? Oh bordel! Ah non! Puis je tombe en dessous en plus! Ah vite! On se casse d'ici, je sais pas. Voilà, on va rester ici quelques secondes. Je sais pas si elle a pété ou pas, bah, allez. On va repartir de l'autre côté. Peut-être qu'à partir du moment où je change d'écran, c'est annulé donc. Mort de rire. Oh, 1000 gemmes! Ah, oh, mais bordel quoi!
Puis à chaque fois, moi, je vais vers le bas, alors du coup, je me prends la bombe. Espèce de bébête. Alors, du coup, il va y avoir plein d'endroits où il faut utiliser bombe. Donc là, ça va peut-être me permettre de ressortir directement. Hop. Allez, explose. Tiens, ce qu'on peut faire, c'est faire ça, par exemple. Ah non, c'est pas vraiment ça que je voulais faire, mais c'est pas grave. Voilà, c'est mieux. Chac. Et voilà. Donc ici, il y a plein de failles. Enfin, il y en a une ici, mais surtout à côté. Il y en avait, je crois, 3 ou 4 collées les unes aux autres. Je vais aller à côté quand même, parce que là... Regardez, il y en a combien? Il y en a 5. Voilà. On va poser 2 lignes de bombes. Ça fait plaisir. Non! Ah non, mais lui nous a contourné. Ah, le salaud. Voilà. Alors, bon, c'est bien sympa, mais à la limite, je vais peut-être plutôt regarder ici. C'est peut-être une petite salle. Voilà, c'est une salle un peu plus tranquilloute. Ouais. Ah, mais d'accord, en gros, il va falloir... Oh, il faudrait que je rechope encore une autre arme. Bordel. Bon, attendez, vous savez quoi? Je vais pas me faire chier. On va continuer par là, bon. C'est vrai que ça peut être un réceptacle de cœur, peut-être, mais... J'ai un peu la flemme. Ah, quoique, bah... Si je récupère ça, à la limite... Ah, d'accord, là, ça va être pareil que dans... Je crois que c'est dans le niveau précédent. Il fallait activer des espèces d'interrupteurs dans un certain ordre ou quelque chose comme ça. Enfin, pas dans un certain ordre, mais il y en avait certains qu'on pouvait activer, d'autres qu'on pouvait pas. Alors, je vais passer ici. Normalement. Voilà, si je l'envoie suffisamment fort. Alors, c'est quand même un réceptacle de cœur, donc effectivement, ça se refuse pas. Alors... Ah, il va falloir que je re-rentre dans la pièce pour réactiver les... Voilà, en fait, il faut que j'active le dernier aussi. Quoique, c'était peut-être pas obligé, mais c'est pas grave. Hop. Et maintenant. Donc là, je vais atterrir... Ah bah, toujours dans la même salle, mais de l'autre côté. Et il va falloir que j'active, en fait, les bons interrupteurs pour... Voilà, pour faire apparaître le... Voilà, je peux par exemple dégager ça pour pouvoir voir les planches qui sont apparues. Ah non. Le quatrième, il faut que je laisse allumer. Voilà, et ensuite, il faut que j'active le cinquième. Pour faire apparaître la cinquième planche. Et voilà, j'ai un chemin. Oh! Doucement. Le boxon que ça fait là-dedans, ils sont tous en train de boinguer sur les murs. Ah non, mais laissez-moi, laissez-moi 2 secondes. Ils veulent pas me laisser accéder à la zone. Hop, 28e fait de force. J'espère que j'en utiliserai le moins possible quand même. Ah, ça c'est nul. C'est une salle un peu bizarre, ça tombe, ça va être le boss. Ça m'a tout l'air d'être un boss. Qui rebondit. Oh là là. Puis c'est quoi ces flèches là? Je peux y aller ou pas? Parce que ça m'a l'air un peu bizarre, on dirait que c'est un peu bloqué. Enfin pas bloqué, mais... On dirait que ça m'amène vers un trou. Ah d'accord, c'est pour sauter dans le grand bain. Oh non! Par pitié! Ah d'accord, en plus... Oh là là, il m'expulse carrément, quoi.
Alors du coup ça me permet de remonter. C'était donc pour ça qu'il y avait un escalier. Bon, je vais me mettre peut-être en formation de 4 comme ça. Allez, on y va les potos. Oh là, bordel, il est super agressif. Je vais essayer d'envoyer. Ah, d'accord. Ah, mais laisse-moi 2 secondes, je vais changer de... Voilà. On va y aller avec le rouge. Non, fais gaffe, le rouge. Oh, c'est super chaud. Voilà. Alors, qui maintenant? Ah là là, c'est pas vrai. Hop, on va remonter. Tiens, on va rappeler tous les beaux gosses. Alors, du coup, c'est le vert qui doit y aller. Bon, allez, je m'y vais y aller avec tout le monde. Oh, mais non! Il est hyper attiré vers moi. Donc, c'est pas facile de l'esquiver. En fait, le mieux, ouais, c'est d'essayer de l'attirer vers le truc du milieu, peut-être. Quand on l'attire au milieu, en fait, il est... Il rebondit bêtement. Et après, il y a la queue qui arrive juste derrière. Ah non ! Non ! Voilà. Voilà, faut juste aller à l'opposé. Allez, c'est le bleu. Et voilà, le bleu, ça a été vite. Ah, bordel, ils sont 2 ! Mais t'es pas sérieux? Non! Non! T'as pas d'elle! Mais non! Je suis en train de taper avec le... J'ai pris le rouge dans mes pattes et j'étais en train de taper avec lui. Bordel! Alors c'est le rouge maintenant. Ouais. Hop, ça c'est fait. Oh, ils accélèrent, mais c'est un truc de ouf. Voilà, j'en ai flingué un. Allez, vas-y. Voilà, toi, j'en ai flingué un. Ah, Force Rose. Ça va être à toi, Force Rose. Attention, je vais mettre dans un coin. Voilà, Force Rose. Voilà. Bon, il n'est pas encore fini. Rouge. Et voilà. Ah non, c'est pas fini encore. Jamais tu crèves, toi. Non. Le vert. Le Link est vert. Allez, vas-y. Et voilà. Ah, c'était plutôt cool comme combat. C'est assez difficile quand même, parce qu'à chaque fois, il était vraiment attiré par moi. Et j'arrivais pas à... Par contre, ah ouais, d'accord. Bon, je vais être obligé de sauter. À chaque fois, il était attiré par moi et en gros, il faut vraiment utiliser cette petite zone qu'il y a au milieu là pour pouvoir le faire rebondir et ensuite on peut attaquer directement la queue. Tadadin, tadadin. Bon, qu'est-ce qui se passe? Comment? Ces lettres sur la pierre? Que se passe-t-il? Alors, c'est une langue morte. Je vais tâcher de déchiffrer ça. Tu veux posséder le monde? Tu cherches le pouvoir? Ton cœur méprise la paix et ta soif d'absolu. Tu rêves de destruction et de conquête. Nous t'offrons le pouvoir de détruire le monde, le pouvoir des ténèbres. Le maléfique esprit du trident magique. Alors, je suppose que le trident magique, c'est l'espèce de gros symbole qu'on voit au milieu là. Alors, tu es le roi des ténèbres. Le maléfique esprit du trident magique. Une arme? Tu penses que la personne qui a volé le trident n'était autre que Ganondorf, le roi des ténèbres? Ce n'est pas Vati. Cet homme mal intentionné serait-il en train de comploter au cœur d'Hyrule? Écoute, la situation est pire que je l'imaginais. Nous devons nous dépêcher. Ok, nous dépêcher de quoi? D'où? Comment? Pourquoi? Ah d'accord, il faut que je passe par ici. C'est à pousser ça? D'accord.
Ah d'accord, je peux passer par ici. Bon, on va se dépêcher de sortir à mon avis. Ok, donc c'est juste pour mettre fin au niveau. Libérer une jeune fille. Je crois que c'est la jeune fille blanche. Non, c'est même pas la jeune fille blanche. Elle m'a l'air rose ou violette. Rose, hein. Link, tu es venu à mon aide. Tu es venu dans cette pyramide pour me sauver. Oh, merci, Link. La princesse Zelda, c'est vrai, donc elle est toujours entre les griffes de ces créatures. Mes sœurs, montrez-vous, s'il vous plaît. Ah! Il y a différentes jeunes filles. Ah mais en fait elles sont toutes réunies là, c'est les 6. Moi je pensais qu'il y en avait une 7ème, j'avais un peu oublié, mais en fait la 7ème, je suppose que c'est Zelda. Alors, nous allons travailler ensemble et retrouver la princesse Zelda. Nos 6 cœurs ne font qu'un, appelons-la. Link, c'est toi et les jeunes filles du sanctuaire. Vous êtes saines et sauves, je suis si soulagée. Link, je suis dans la tour des vents. Ce n'est plus la route tranquille qui mène à la contrée des cieux. Les créatures de Vati en ont fait une forteresse de glace. Vite, Link, le pouvoir de Vati ne cesse de grandir. Ah, la princesse Zelda. La tour des vents. Ok, elle est coincée dans la tour des vents qui a maintenant disparu d'Hyrule. Maudit soit Vati, la princesse est en danger. Link, vite, il faut récupérer le dernier joyau royal et le ramener à la tour. Tu as traversé Hyrule et réuni 3 joyaux royaux. Il ne reste qu'un endroit où chercher. Hyrule sous la neige. Où les ténèbres empêchent le retour du printemps. Ok, le dernier joyau royal doit s'y trouver. Peu importe ce qu'il en coûte, il faut sauver la princesse Zelda. Vite, Link. Ok, donc on a notre prochaine destination. Et ce sera peut-être la dernière étape avant d'aller sauver la princesse. Voilà, donc en fait, il reste un... une espèce de saut en plein milieu là. Un saut violet au milieu des 6 jeunes filles. Et donc c'était bel et bien la princesse Zelda et pas une 7ème jeune fille. Donc niveau 6, clear. On en a fini avec le niveau 6. Et là on débloque c'est pas la dernière zone. Si je dis pas de bêtises, c'est l'avant-dernière. Ah, on m'a dit qu'il y avait 8 niveaux dans le jeu. Hop, petite save. Alors, je veux juste montrer vite fait. Donc là, on a un visuel sur quasiment toute la... sur quasiment toute la carte. Sauf qu'on voit ici, on voit une énorme tour. Alors, je suppose que c'est la fameuse tour dont était en train de nous parler Zelda. Et on voit que le sommet est un petit peu sous les nuages. Donc, c'est possible que le dernier niveau... donc le niveau 8 soit donc cette tour. En attendant, on va à Hyrule sous la neige. Et avec le premier niveau qui, de manière très originale, s'appelle Hyrule sous la neige. C'est parti. Alors c'est plutôt beau. Moi j'aime bien les paysages enneigés. Oh merde, j'ai un peu passé là. Alors, il faut incruster les joyaux royaux dans le sol sacré de l'épée de 4. Nous partons en tête et protégeons le sol sacré des ennemis jusqu'à ta venue. D'accord. Le pouvoir des ténèbres a arrêté le cours du temps. L'hiver persiste. Nous devons garder l'espoir et croire en demain. Que la passion réchauffe notre cœur. Mais avant tout, il faut trouver le dernier joyau royal. Ensuite, nous irons à la tour des vents. Où nous attend la princesse Zelda. Voilà, donc c'est bel et bien ça, la tour des vents. Encore une fois, la musique est assez sympa.
c'est marrant, quand je fais des roulades, ça fait des petits... Ça fait des petites étoiles derrière moi. Ça scintille. Si je dis pas de bêtises, la musique sort un petit peu de... De comment ça s'appelle? Ah! Elle nous sort de Twilight Princess, si je dis pas de bêtises. Voilà, Twilight Princess. Twilight Princess, appelez ça comme vous voulez. Alors, est-ce que je peux péter les gemmes de force? Non. Donc, il va me falloir quelque chose pour cramer tout ça. Et ça glisse, hein. Regardez, hop. Là, je touche plus rien. Ça glissouille. Ah non! Hop. Peut-être que je vais avoir quelque chose, un marteau ou quelque chose comme ça. Ah d'accord, oh là là, ça m'a guiche. Ça m'a guiche. Il y a plein d'armes, sauf que je peux pas y aller. Ça m'a guiche. Bon allez, il va falloir que je ressorte. Et il va probablement y avoir un autre moyen. Oh, il y a des boules de neige. On va suivre les boules de neige parce que... Tiens, je vais passer par ici. Ça m'a l'air d'être un beau bordel. Oh non, c'est pas vrai. Comment ils sont excités, quoi. Ils tirent comme des fous. Waouh. D'accord, bon, je vais pas enlever les pierres, je vais les laisser, parce que ça me protège, en fait. Ah, mais non. Mais non. Non. Ah tiens, je vais pouvoir faire un assaut par derrière, peut-être. Alors, comment ça va se passer? Je vais peut-être pouvoir atterrir près d'eux. Ah non, ah, j'ai pas fait gaffe, il y en avait d'autres. J'étais en pleine roulade. Vas-y, quoi, vas-tu crever? Hop, on récupère tout ça, toutes ces gemmes là. Au petit cœur aussi, ça fait plaisir. Ah, c'est cool, ça c'est pour donc pouvoir défourailler tout le monde d'un coup. Et on va aller balancer ça en plein milieu. Alors je sais pas s'il faut que je la lance très près d'eux ou quoi. Tenez. Ça c'est cool. Ils ont tous été transformés en espèce de slime. Je peux passer par ici? Ah ouais, effectivement. Parce qu'effectivement, ça aurait été chaud quand même avec tous les gus qu'il y avait là, qui m'envoyaient des flèches. Je crois que ça se tente pas. Hein. Hop, on va choper tout ça. On va choper un max du moins. C'est difficile de tout choper. Oh! Ah, il y a le chevalier noir là. Chevalier noir, Link noir. Bon, lui il va faire que fuir. Espèce de traître. Espèce de lâche. Tiens, je t'envoie un caillou. Bon, il n'y a rien. Ah, bah tiens, il y a des cœurs, ça fait toujours plaisir. Ici, on a une maison avec une clé. Ça m'a l'air d'être assez énorme ici. Cette zone, hein, ce truc. Ah, mais non! Oh non! D'accord! Mais c'est quoi cette boule de neige qui pète un câble? On n'est plus en sécurité de nos jours. Hein. Tiens. Ouais, bon là, en gros, il était là pour montrer que on peut cramer tout ça. Et j'avais bien compris, mon pote. Attention, tempête. Ne t'éloigne pas en cas de tempête. Une exposition prolongée t'épuiserait. Sois vigilant. Bon, c'est peut-être par là justement qu'il y a une tempête. On va pas y aller. Oups. Ah, je vais peut-être avoir une baguette de feu ici, ce serait bien. Ah, il y a un mojo. Alors, qu'est-ce que tu me racontes? Pipi! Ah, d'accord, pipi, d'accord. Voilà mon œuvre, un mur de neige. Ouais, ben, je peux plus passer maintenant. Impossible de faire fondre sans se placer en formation mojo. C'est quoi, formation mojo? En d'autres termes, tu ne pourras jamais en venir à bout. Je suis trop brillant. Sans deck. Bon, ben, visiblement, il m'a un peu... m'a un peu flingué. Bon, de toute façon, il va me falloir probablement une baguette de feu. Tiens, tempête. Ok, bon, direct. On va choper ça. Ah non, il y a une tempête. Ah d'accord, c'est ça la tempête. Oh, mais t'es sérieux?
En fait, la tempête au début, là, c'était rien du tout. Là, c'était pour les enfants, quoi. Hop. Dites-moi que vous allez me donner une baguette de feu. Ah tiens, il y a un coffre. Ah cool, un réceptacle. Faut faire attention avec la tempête, ça me fait des dégâts et en plus ça me pousse dans tous les sens. Oh. Tout le monde gueule en même temps. Ça c'était le bruit de l'ennemi, ça. Imitation. Allez, 31 faits de force. Ça peut aller, franchement. Je gère un peu. Alors. Ah, il y a encore des fantômes. Allez, on va tomber ici. Waouh ! Je suis tombé juste au bon moment. Il y a des bombes. La bomba latina. Je peux peut-être faire péter quelque chose là-bas. Ah, mais bordel ! Comment ça se fait qu'elle a pété aussi vite cette bombe là? Parce que je vois qu'il y a un... Il peut y avoir un trou éventuellement. Ah mais c'est pas vrai! Bon, je vais les flinguer. On va les gaver. Ah bah tiens, au passage j'ai débloqué. J'ai débloqué un passage, on va aller faire un tour. Mais c'est pas vraiment ce que je voulais faire en fait. Parce que j'ai vu un... Enfin pas une faille dans le mur, mais un endroit qui pourrait éventuellement cacher. Ah non! Ah bah bien joué, je sors au moment de la tempête. Un endroit qui pourrait cacher. Mais oh non! Qui pourrait cacher un passage. C'est juste au-dessus du Z là. Je sais pas si vous voyez. Alors, bon, je vais attendre que la tempête sévisse. Ah ouais, mais. Espèce de bébête. C'est vrai que. Ah là, c'est ici. Ouh, c'est vraiment limite, hein, le temps de rentrer là-dedans. Ah cool, la baguette de feu. Il aura fallu que je fasse tout ça pour avoir une baguette de feu. On pourra tous la choper en même temps. Et voilà. Vengeance maintenant. Là, je vais pouvoir me faire plaisir. Regardez, hop. Voilà. Hop. Je vais aussi pouvoir pas mal me cramer la face, en fait. C'est surtout ça. Me connaissant. Bordel, voilà, je l'avais dit. Je l'ai dit ou je l'ai pas dit? Hop, on va passer par là. Bon, il y a des gemmes. Ah là 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 là! Ça flingue cette foutue tempête là. Ça enlève un demi-coeur, je crois. Au total. Bon, ici, il n'y a plus de tempête. Alors, formation Mojo, c'est quoi? Regardez, je reste appuyé, parce que c'est vrai que c'est un truc que j'utilise pas assez souvent. C'est qu'en fait, on peut utiliser... Ah, d'accord, c'est juste qu'il était content. On peut utiliser donc la baguette de feu comme ça, par exemple, en restant appuyé sur le A, sauf que j'y pense à jamais, simplement. Voilà, par exemple. Ah non, vas-y, Tingle, il peut me voler mes gemmes de force. C'est hors de question. Voilà, c'est quand même plus pratique, hein. Ça fait plaisir. Bon, il y avait plein de trucs à flinguer, là. Enfin, du moins, c'était plutôt au niveau des gemmes de force. Alors, par contre, je vais peut-être les flinguer, ces trucs-là, maintenant. Alors, ça fait moi la maligne. Ah bah tiens. Même une clé, je sais pas. Ah, c'est pour la petite maison, je crois. Ah là, il y avait une petite maison ici. Tchac. Encore des gemmes. Alors, je vais pas tarder à atteindre déjà les 2000. Oh là là, il y a plein de trucs là-bas. Attendez, je vais plutôt passer sur la gauche. Sur la gauche, ça va être pour arriver ici. Hop. Regardez ici. Oh là là, mais il y a tout ce qu'il faut. Mais je prends quoi? C'est pas facile de choisir. Hein. Bon. Je vais garder ma baguette de feu pour l'instant. Tout ce qui compte, c'est que voilà, je sais qu'il y a des trucs ici. Ah non, c'est pas ici que je veux sortir. Allez, allez, allez. Voilà, c'est ici.
parce que je crois qu'ils vont me faire sortir de ce côté, voilà. Alors, qu'est-ce qu'ils me disent? Lac gelé, baignade interdite. Ouais, bah ouais. Oh, mais la tortue, elle crame même pas avec ça. Ah, bah oui, forcément, quand ça glisse. Attendez, je peux peut-être enlever ça au milieu, là. Peut-être quelque chose. Peut-être quelque chose, j'ai dit. Non, y'a rien du tout. Bon, y'a pas l'air d'avoir grand-chose d'intéressant ici, mais peut-être de ce côté. Oula. C'est quoi ces trous, là? Moi, j'ai pas envie d'aller dessus, parce qu'à mon avis, ça va me faire tomber. Ouh. Waouh. Voilà. Bracelet de force, donc ça c'est le fameux bracelet de force. Oh là là là. Bordel. En plus. Voilà. Ah non, j'ai... Ah non. Allez, c'est à moi. Waouh. Ça libère des trous, j'ai pas envie de tomber dedans, je sais pas ce que ça fait. Alors. Donc oui, bracelet de force qui me permettra... de pouvoir soulever les objets lourds, notamment par exemple les arbres. Rien que ça. Ah d'accord. Ah bah en fait c'est juste, je suppose que c'est juste l'endroit dans lequel je tombe si jamais je suis si jamais je tombe dans les petits trous là. Donc c'est pas très intéressant. Alors, est-ce que je peux soulever ça? Non. Ces pierres là je crois que je peux pas les soulever non plus. Là, est-ce qu'il y avait quelque chose d'intéressant? Non, vraiment, il n'y a rien d'intéressant ici. J'ai juste été récupérer le bracelet de force. Je vais continuer à garder ma baguette. Hein. Je reviendrai après s'il faut. Et à mon avis, il faudra. Et par exemple, ici, il y a un arbre. Peut-être qu'on peut le dégager pour passer ailleurs. Ah bah tiens, bon, il y avait des gemmes, mais je les ai un peu zappées. C'est pas grave. Alors j'ai l'impression en fait que j'ai oublié plein de trucs au début du niveau là, enfin il y avait pas mal de trucs à faire mais là il reste encore beaucoup de trucs à faire donc je continue ici. Alors j'ai réussi, j'ai créé un jeu de détente pour les pestes mojo. Je vais l'appeler les pics infernaux. Les règles sont simples, il faut faire tournoyer les pics et les couper en l'air. Ok, il faut juste, il faut qu'ils tournent pour les couper sinon c'est nul. C'est trop marrant, tu ne trouves pas? Non, c'est pas du tout marrant. Bon. Je sais pas trop de quoi il est en train de me raconter. C'est pas grave. Je sais pas de quel pic il est en train de me parler. Ah non! De quel pic il est en train de me parler. Alors, est-ce que ces tortues, je peux les flinguer peut-être avec des coups d'épée? Ah, mais je peux... Ah, d'accord! Putain, mais... Ah, mais t'es sérieux, quoi? Ah bah tiens. Ça, ça peut changer la donne déjà. Hop. Allez le bourrin. Mode bourrin activated. Ah bordel. En tout cas, je sais pas de quoi il était en train de me parler en me parlant des pics. Je pense pas que ce soit ça les pics, hein. Ça ressemble pas à des pics. Oh là là, mais c'est un véritable réservoir à gemmes de force ici. Bon, même si on en perd beaucoup au passage, mais. Je sais pas si ça fait quelque chose si je les flingue toutes. Puis je sais pas ce que c'est au milieu là, on dirait qu'il y a quelque chose, mais... Ah d'accord. C'est un coffre. Ah cool, un réceptacle de cœur. Bon bah ça valait bien la peine de le faire. Mais du coup, peut-être qu'il fallait que je tue les tortues aussi là, juste avant. Hop. Bon finalement, pour l'instant, je récupère pas mal de trucs, mais... Les pics infernaux, c'est le jeu favori des pestes mojo. C'est cool. Allez, on va aller par là. Je vais essayer de repartir un peu plus vers le sud. Parce qu'encore une fois, il y avait peut-être des choses à faire. Il y a peut-être des choses aussi cachées là-dessous. Parce que je les avais pas enlevées parce qu'il y avait les ennemis qui étaient un peu en train de me défoncer avec les... Enfin, qui m'avaient pris à partie avec les... Avec les flèches. Avec leurs flèches.
Ok. Par contre, je peux essayer de soulever des arbres de temps en temps. Bon, là, il m'a l'air d'être bien ancré dans le décor. Donc, je peux rien en faire. Oh non ! Ah oui, mais... j'ai mal anticipé. Attendez. Ah ! Bah ouais, mais bon, il était tellement content d'avoir une gemme que... voilà. Que ça m'a bloqué pendant quelques secondes. Alors vous voyez, il y a encore un passage au nord, il y a un passage vers l'ouest. On va aller à l'ouest d'abord. Faut peut-être que... voilà. Donc en gros, le passage vers l'est, il était littéralement obligatoire, hein, pour aller chercher la bague de force. C'est ça qui est chiant avec cette attaque, c'est qu'en fait, on peut pas vraiment avancer. Parce que si on avance, on part dans notre propre feu. Et c'est un peu con. Alors. Par contre, on peut reculer. Ça peut être sympa. Mais un peu inutile, faut avouer. Alors. On va encore pas... oh là là, mais ça s'arrête jamais, quoi. Mais c'est quoi cette map? Elle fait 4000 km. Wow, mais regardez, ça lag tellement il y en a. Non. Non. C'est un bordel monstre. Je sais pas où je suis, qui je suis, pourquoi ou comment. Non. Je vais chercher le cœur. Ah mais bordel, j'ai crevé. Tenez. Ah, j'ai crevé. Oh là là, bordel. Bon, je vais probablement crever, mais c'était marrant quand même. Regardez, hop, je vais y aller comme ça. Ça, c'est un peu le mode cheater, mais bon, c'est comme ça. Ah bah, il m'attaque par-dessus, quoi. C'est n'importe quoi. Bon, c'est pas grave. Au moins, c'était drôle. J'ai même pas eu le temps de me préparer pour les réceptionner, là, tous les espèces de pingouins qui m'ont couru dessus. Mais bon, c'est pas grave. Ça m'a bien fait marrer. Allez, viens là, pigeon. Espèce de pigeon, voilà. Ah bah, du coup, il y a une perle de lune. Bon, bah, je sais pas où l'utiliser pour l'instant. Mais j'en aurais certainement besoin. Alors ici c'est pareil, on dirait qu'il y a une porte. Hein. Juste au-dessus de mes petits persos, là on voit que le mur est pas vraiment comme d'habitude. Encore une fois, on verra si ce sera nécessaire pour la suite de. Pour la suite du niveau. Pour l'instant j'ai utilisé ce truc là, on va le ramener par là. Je sais pas si je vais vraiment en avoir besoin tout de suite. Ou pas. Eh vas-tu cramer ? Voilà, ça c'est juste pour dire qu'ils sont contents. Wow. Par contre, attention. Lance-flamme. C'est vrai que c'est pas très sport, j'ai envie de dire, mais... ah merde. As-tu crevé? Voilà. Alors j'essaie d'ouvrir aussi un peu le passage. Oups. Alors de ce côté, il y a juste un... enfin, juste un coffre. C'est pas rien, tu sais. Il y a tout de même un réceptacle de cœur. C'est plutôt sympatoche. Alors, où est-ce que j'utilise cette bouboule là? Parce que je crois pas avoir croisé de... on peut passer ici? Non. Attendez, je vais caler ici. Ouais, donc j'ai pas encore croisé de portail. Non, je pensais qu'on pouvait passer ici, mais non. Éventuellement, ce serait... ce serait peut-être vers le nord. Voilà, content. Tiens, et puis on va flinguer celui-là. Ah d'accord, bah c'était juste ici. Je l'ai poussé dessus sans faire exprès. Allez, on va rentrer, voir ce qui s'y passe. Peut-être que juste les pics auront disparu. Ah d'accord, il y a une espèce de... il y a des poignées à tirer.
Je visite un peu l'endroit pour voir s'il y a quelque chose d'un sympa. Hop. Et voilà, donc c'était juste pour me débloquer l'accès. Alors, ici on a des bombes, alors je vois ici, pareil encore une fois là, le mur est un peu différent ici, ici, on voit aussi ici. Peut-être ici aussi. Oh là, un peu partout en fait. Vraiment là, truc de ouf. Alors attendez. Visiblement, je peux pas dégager ce... Je peux pas dégager cet arbre. Ah mais vas-y quoi, espèce de foutu serpent. Ah mais vas-y, vas-tu crever. Hop, je récupère mon petit cœur. J'ai fait tomber une gemme de... C'est combien cette route? 200 ça? Voilà, 200. Alors là, pareil, c'est pas fini. Je peux envoyer ça là, et puis je peux essayer d'éventuellement ouvrir d'autres endroits avec l'autre bombe. Par contre, je vais aller visiter quand même là-bas. Donc effectivement, de l'autre côté, j'ai aussi débloqué une porte. Ah ben... J'ai fait apparaître une échelle. J'allais dire des escaliers, mais c'est une échelle. Par contre, ici, il y a quelque chose ou pas, là? On dirait qu'il y a quelque chose. Effectivement, il y a quelque chose. Il y a quelque chose ici aussi. Ah, c'est des rats! Ouais, après, ils vont super vite. Alors, on va aller jeter un œil de ce côté d'abord, bien évidemment, avant de... d'utiliser l'échelle, ça va peut-être faire apparaître des ennemis, hein, on sait jamais. Voilà, c'est bien ce que j'avais dit. C'est pas grave, regardez, même pas peur. Et le lance-flamme, ça fait plaisir. Finalement, je commence à bien aimer cette arme là. Elle a rien à envier à l'arc. Putain, c'est quoi ces espèces de dieux bizarres là? C'est des ennemis? Eh, venez vous la mettre. Wow. Bon, un peu bizarre. Hop, on va choper ça. Non, j'ai pas réussi à choper la poignée. Ah bah là c'est une super bombe, donc on va attendre ici. Voilà, histoire de voir quand est-ce qu'elle va péter. 2, 1, et c'est bon. Ah, la déformation que ça fait sur le... Sur la map, c'est délire. Ah d'accord. J'ai activé la tempête, génial. Ça, c'est pas con, ça. Ah. Je vais passer ici. Alors, ces ennemis, je comprends toujours pas à quoi ils servent. Ah d'accord. Allez, vous, tu te fous de ma gueule. Ah, vas-y, je vais pas me faire chier avec eux, je crois. C'est juste un piège. Ils sont juste en train de me bouffer mes gemmes pour rien. Non, non, viens là. Ils sont pas timides. Alors, où est-ce que je vais passer, moi? Ah, je peux descendre, d'accord. Je pensais qu'on pouvait pas. Hop. Ici, il y a rien d'intéressant. Ici, il y a peut-être un passage, on sait jamais. Non, c'est juste des cœurs. Enfin, il me blinde de cœurs. J'ai l'impression que ça va être un combat ici. Et c'est un combat. Ah ouais, c'est un ennemi qu'on avait déjà croisé un peu plus tôt. Il faut, avec chacun des links... Ah non ! Avec chacun des links, il faut attaquer la couleur correspondante. Là, je vais y aller avec le rouge, par exemple. Donc, il faut bien évidemment que j'attaque la partie rouge. Ah non ! Par contre, c'est super chaud. Je crois que je vais mourir plusieurs fois, mais bon, à la limite, c'est pas trop grave. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Allez, le bleu. Force rose. Et maintenant, le vert pour finir, j'ai l'impression. Et voilà. Ah bah, finalement, je suis pas mort. Ça va. C'était un peu bizarre au début, parce qu'à chaque fois, la pince de couleur réapparaissait. Donc j'avais l'impression que... Que j'aurais dû m'y reprendre à plusieurs fois, mais au final ça a été plutôt correct. Bordel, il y a du popole, il y a toujours un super. Elle vient de cramer.
Oh, il est absolument énorme, le chevalier, là. Faut que je fasse gaffe. Ah, vas-y, quoi, vas-tu mourir? Non! Ah, mais il est absolument énorme, il prend toute la map. Ah, mais vas-y, quoi, il prend toute... Mais regarde, il prend toute la map! Alors, je sais pas si je peux rentrer. Oh, bordel! Ah, mais bordel, quoi, j'ai même pas le temps d'avancer. Du coup, il y a... Mais vas-y, quoi, il y a des cœurs là-bas, je voudrais les récupérer, s'il te plaît. En plus, j'ai dit s'il te plaît. Voilà. Ah, ça y est. Bon, j'ai réussi à flinguer tous les gus. Et maintenant, je fais aspirer dans le monde des ombres. Ah, bordel. Hop. Ah là 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 là. Allez, vas-y. Mais allez. Non. Non. J'arrive pas à récupérer de cœur. Ah non. Mais ces chauves-souris, elles sont trop cheatées, quoi. Bon, je vais crever. Voilà. Ah là là, bon, c'est pas vrai. Mais c'est pas trop grave. Encore une fois, j'ai la pété de fée. Je pense que j'en aurai largement assez jusqu'à la fin. Allez, vas-y, viens te mettre. Voilà, en plus, il lui reste un coup. C'est un peu ballot, mais bon, c'est comme ça. En tout cas, c'était une très belle zone, je trouve. Alors, ce qui est un peu dommage, c'est qu'on n'a pas eu à utiliser différentes armes. Hein, à partir du moment où j'ai récupéré la baguette de feu, j'ai utilisé que ça. Mais sinon, c'était plutôt sympa. Alors, quel héros tu as réussi à venir jusqu'ici? Je suis le chevalier d'Hyrule chargé de garder le joyau royal violet. Grâce à toi, nous avons été libérés de nos malédictions. Tu dois maintenant emporter les quatre joyaux par-delà ce temple glacé et t'envoler vers la contrée sacrée. Puis tu pourras entrer dans la tour des vents où Vati t'attend. Au fin fond du palais qui flotte au-dessus de la contrée des cieux, une terrible malédiction t'attend. Si tu ne lèves pas cette malédiction, Hyrule ne sera plus jamais en paix. Le destin de la princesse Zelda et du royaume d'Hyrule est entre tes mains. Voilà. Donc voilà, cette force rose là qui va... Enfin en fait, techniquement je viens d'apprendre qu'il est violet et pas rose. Mais bon, c'est comme ça. Qui va récupérer donc la perle. Enfin, le joyau royal, pardon. C'est pas une perle. Et voilà, tu as tous les joyaux. Ils sont tous là, ils sont tout beaux, tout mignons. Par contre, je comprends pas pourquoi ça a pas commencé par le joyau vert. Enfin, c'est pas grave, à la limite. On va pas chialer. Allez, donc c'est parti. Pour mettre fin à ce nid. Ah d'accord, ça fait des dégâts ces trucs là. Mais je pensais être passé à l'intérieur sans prendre de dégâts auparavant. Mais bon, on fera attention la prochaine fois. Donc là je me retrouve devant la porte du temple de glace, hein, si je dis pas de bêtises. On va voir ça dans la seconde qui suit. Voilà, temple de glace. En tout cas, ouais, je me suis bien amusé dans les deux derniers niveaux que j'ai fait là. Et cette Hyrule sous la neige était plutôt sympa. Mais ça va être la fin de cette vidéo. Ça fait à peu près une heure que j'enregistre. Voilà, j'espère que vous aurez apprécié la vidéo. Je vous dis merci d'avoir regardé et à plus pour la suite. Mmh.